Ce côté science vous mettra les pieds dans la fourmilière et les yeux à hauteur de fourmi. Avez-vous une seule fois pensé à ce qui se passe lorsque vous marchez dans une fourmilière? Eh bien, pour la première fois, nous vous proposons de suivre côté fourmi la panique que vous avez laissée derrière vous en suivant la chronique de cette catastrophe dans une fourmilière Atta en Guyane. Quelque part, une forêt existe, immense. Au pied de ces arbres, géants de 20 mètres de haut, tapis dans l'ombre, se cache une mystérieuse cité. On l'appelle la cité des dômes. La ville des fourmis Atta s'érige en véritable empire avec ses routes sillonnées par des milliers de créatures qui convergent vers la cité. Une présence habite donc cette cathédrale de plantes, une présence presque invisible, l'intelligence d'une société. Elle est à la fois chaotique et organisée. Certains individus vont et viennent sans but apparent, alors que le plus grand nombre accomplit des travaux extrêmement précis. C'est ainsi que la Cité des Dômes survit envers et contre tout, mélange de désordre et de règles immuables, quasi esclavagistes. Aux menaces, elle réagit toujours parfaitement. Du moins, le croyait-on jusqu'à ce jour-là. La Cité des Dômes fait partie d'une civilisation vieille de plus d'un milliard d'années, la première civilisation de la planète Terre à avoir inventé l'agriculture. Elles sont 800 000 fourmis à se nourrir d'une denrée infiniment précieuse qu'elles cultivent sur des feuilles d'arbres, le champignon. La piste s'est maintenant élargie. Elle arrive enfin aux abords des portes de la cité. Les dômes se dressent comme des tours de Babel sur plusieurs centaines de mètres carrés gardés par des soldats. Un point de contrôle obligé avant de s'enfoncer au cœur même de la cité. Les ouvrières se bousculent et s'engouffrent dans les labyrinthes qui conduisent dans la partie essentielle de ce monde, la mégalopole souterraine, dont les galeries plongent dans les grandes profondeurs encore inexplorées. Il
il y a des chambres, des tunnels, des croisements et encore des chambres. Un dédale dont aucun habitant ne connaît les plans. Fondée il y a plus de 6 ans, la ville des Atta n'a pas d'architecte. Elle est l'œuvre de cette intelligence collective. Comme dans une légende, un jour, la reine venue du ciel s'est posée au sol et a pondu son premier œuf, puis des centaines de milliers d'œufs. C'est elle qui a créé son propre peuple et son empire. Les ouvrières qui sont toutes les filles de la reine sont les plus nombreuses. La cité des dômes ne leur permet pas de se reproduire. La reine a aussi donné vie à ses propres soldats, 10 fois plus gros que les ouvrières. La sécurité de la ville tout entière repose sur eux. Aujourd'hui, les stocks de champignons sont au plus haut et un nombre considérable d'ouvrières en prennent soin en le secouant pour l'aérer, en l'effilochant pour assurer sa croissance. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes de fourmis. Se sont écroulés en plusieurs endroits. Les pas du géant ont provoqué l'effondrement de galeries et l'éboulement d'au moins 3 chambres et non des moindres. Celle de la reine, celle des nymphes qui ont un besoin vital de se tenir à l'abri de la lumière, et celle du dôme principal. Sous un énorme bloc, un ailé, futur reproducteur, est coincé et lutte pour se dégager. Alerté par les battements de ses antennes et les odeurs qu'il émet, des équipes d'ouvrières accourent et se mettent fébrilement à l'œuvre pour déblayer le terrain. La reine est asphyxiée par une fine poussière qui remplit insidieusement la salle éventrée. Aveuglée par la lumière du jour, elle qui n'a pas vu le soleil depuis qu'elle a fondé la cité et que les ouvrières ont construit autour d'elle chambres, galeries et dômes. Elle fuit, cherchant à rejoindre une autre partie de la cité qui serait restée intacte. Elle entreprend, seule, un long voyage dans les galeries dévastées. Les parois fragilisées manquent à tout instant de céder. La disparition de la reine signerait l'arrêt de mort de l'Empire tout entier. Plus de naissances, plus d'ouvrières récolteuses. La cité des dômes serait condamnée à mourir en une lente agonie de vieillesse et de faim. La reine ne connaît pas toutes les salles de son immense palais. Et le refuge qu'elle vient de trouver est sans doute un lieu inconnu pour elle. Dès qu'elle arrive, des ouvrières s'activent déjà et nettoient cette reine qu'elles n'ont sans doute jamais vue. Dans une galerie plus haut, des ouvrières se sont déjà attelées, comme de véritables terrassières, à la reconstruction de la salle des nymphes. Mais il faut faire vite, très vite. Entre les œufs et les nouveau-nés, la nymphe est une momie qui contient un futur ouvrier, un futur soldat ou une future reine.
la présence des nymphes à l'air libre fait planer un lourd danger sur les Atta. Ce sont des proies très convoitées par les prédateurs. Leur odeur pourrait les attirer en nombre vers la cité. Une véritable course contre la montre s'engage, d'autant que les nymphes très fragiles doivent être tenues à température constante et que l'air qui s'engouffre par la faille béante les menace maintenant. Le soldat fait ses premiers pas. Il fait partie des robots les plus agressifs de la cité. Il est programmé pour se battre à mort dès que des odeurs d'alerte lui en intimeront l'ordre. En moins d'une heure, il va devenir complètement autonome. Calme, mais la cité n'a pas encore détecté un autre danger qui la menace. Non loin de là, hors du territoire des Atta, une civilisation rivale vient de s'installer et a élu comme base les entrailles d'un arbre mort. Il s'agit des terribles Écitons. Des centaines de milliers de fourmis nomades guerrières s'y sont rassemblées depuis 2 jours. Rien à voir avec les Atta, ces fourmis pacifiques et végétariennes. Non. La civilisation des Écitons est basée sur la chasse, la guerre et le pillage. Leurs colonnes parcourent sans arrêt la forêt dans toutes les directions à la recherche de proies qu'elles vont ramener à leur campement pour les y dévorer ou les donner en offrande à leur reine. De l'arbre mort, des centaines de milliers de fourmis Écitons se tiennent par les pattes jusqu'à former une grappe vivante, des murs, des chambres, des galeries de fourmis enchevêtrées. Au cœur de la grappe se trouve la reine. La sécurité du bivouac est assurée par des soldats au casque blanc, suivies par les ouvrières au corps noir, qui ne sont pas moins dangereuses. Cette armée se prépare en s'auto-programmant lentement par le biais des odeurs qui vont s'accumuler d'heure en heure pour déclencher le grand départ vers la guerre. Sur leur parcours de chasse, une colonne d'Écitons traverse par hasard la feuille d'un arbre anciennement exploité. Les odeurs laissées par les ouvrières Atta sur la feuille vont les guider jusqu'au butin. Aux frontières de la cité des Dômes, un groupe de soldats et d'ouvrières Atta s'attarde encore le long d'une ancienne piste de récolte sans détecter le danger qui les menace. La cité Atta, la chambre encore béante, à l'air libre, laisse échapper l'odeur des nymphes. Or, les nymphes, qui sont très riches en protéines, représentent un véritable trésor à piller. Les Écitons viennent de détecter l'odeur des nymphes qui planent depuis le dôme éventré. En une masse compacte et homogène, ils se rassemblent de plus en plus nombreux, rejoints par d'autres factions et continuent, plus déterminés que jamais, à remonter l'ancienne piste des Atta. Ils atteignent l'entrée d'un des dômes périphériques. Alertés, les premiers soldats Atta sortent.
Les réseaux de récolteuses de feuilles se désorganisent, la mécanique d'approvisionnement se dérègle peu à peu. Plus nombreuses, les colonnes des Citons prennent le dessus et envahissent les dômes. Une invasion diaboliquement précise et irréversible. Singulier s'engage entre les Atarouges et les Écitons, soldats à tête blanche et ouvrières au corps noir. La reine des Atas tente de s'enfuir, mais elle se retrouve coincée entre deux galeries dans lesquelles on combat. Si elle reste ainsi isolée au milieu des assaillants, sa mort est certaine. Une colonne d'Écitons s'engouffre déjà dans les galeries souterraines à la recherche du trésor, les nymphes. Excité à l'extrême, aucun des combattants ne lâche prise. Le soldat Écitons est plus petit que l'Ata, mais son arme est différente. En plus de ses mandibules, son dard empoisonné paralyse l'adversaire. Du combat, c'est la vitesse du poison du soldat à casque blanc contre la puissance des mandibules tranchantes du soldat Ata. À 5 mètres sous terre, dans les quartiers de haute sécurité de la cité des Dômes, les princes et princesses ailés sont tenus à l'écart des combats. Quelques soldats, stimulés par les odeurs de détresse émises par la reine toujours bloquée entre les deux galeries, délaissent les combats pour la rejoindre. Les Écitons encerclent déjà la reine. Comme toujours, lorsqu'un grave danger pour la cité se présente, les soldats, généralement chargés de sa sécurité, sont déjà remontés vers les hauteurs du nid pour en défendre les entrées. Les Écitons atteignent la chambre des nymphes qui n'est toujours pas reconstruite. Aussitôt alertées, les ouvrières Ata tentent d'amener les nymphes directement à l'abri dans les chambres souterraines. Il va leur falloir traverser une grande plaine pour retrouver une piste odoriférante qui les conduira plus profond sous terre. Une plaine mortelle. Le voyage est meurtrier. Les Écitons, alertés par leur fuite, se jettent sur leur proie avec férocité. Il s'agit pour eux de ramener le plus de nourriture au campement. Mais les Ata ne lâchent pas prise. Les nymphes qui ont réussi à traverser sont immédiatement emportées vers d'autres accès qui mènent au sous-sol. L'invasion de cette partie de la ville pourrait être foudroyante si les Écitons suivaient leurs odeurs dans les dédales encore épargnés.
Les nymphes sauvées sont entreposées dans une chambre souterraine encore à l'abri des écitons. Pour les écitons, les nymphes sont la proie idéale. Légère, facilement transportable, elle ne peut pas se défendre. Une proie totalement adaptée à une razzia où la vitesse d'exécution est essentielle. Sur 10 a survécu au voyage. Le problème est d'atteindre un stock suffisant de nymphes qui permettent à la cité des dômes de se régénérer si les écitons finissent par être repoussés. L'issue de cette guerre tient à la capacité des écitons à fournir encore et encore des hordes de combattants jusqu'à épuisement des soldats à tas. Ces deux fourmilières, par leur ingéniosité, leur organisation dans la destruction, nous paraissent proches. Par leur absence totale de conscience d'elles-mêmes, elles nous semblent infiniment loin de nous, comme des mondes parallèles. La reine qui émet des odeurs se défend comme elle peut. Les renforts Atta ne sont toujours pas là. Plus elle se défend, plus ses odeurs attirent ses ennemis, comme drogués de phéromones. Le cocktail odoriférant débouche sur une folie collective et meurtrière. La violence entraîne la violence. La galerie piège les odeurs d'agression et les soldats Atta sont trop peu nombreux. Des soldats Atta, alertés par les odeurs de détresse, arrivent enfin en renfort. In extremis, un soldat monte sur la reine pour la délivrer de l'éciton qui va la piquer. Dehors, l'orage gronde et la pluie tombe sur la grande forêt tropicale humide. Les éléments se déchaînent. L'orage plus la guerre créent une ambiance d'apocalypse. Serait-ce la fin ou plutôt la délivrance? La pluie pourrait infléchir l'issue de cette guerre. Au sol, la pluie disperse les pistes d'odeur des colonnes nomades des écitons qui se fragmentent. Celles qui allaient porter le fruit de leur razzia au bivouac ne peuvent plus revenir. Les traces odorantes qui leur permettaient de retrouver la cité des dômes disparaissent peu à peu dans l'eau et la boue. Seuls, quelques duels engagés à l'extérieur persistent. Les deux combattants sont tellement proches que l'effet des odeurs d'agressivité vont persister un moment malgré la pluie. Les combattants écitons n'arrivent plus en suffisamment grand nombre sur le front. Les fourmis errent comme des robots déréglés hors des pistes qui se dissolvent. À la longue, l'eau agit malgré l'excitation mutuelle des combattants. Les écitons isolés continuent les combats dans les galeries où la pluie n'a pas dispersé les odeurs d'agression. La reine Atta et sa garde rapprochée achèvent les derniers assaillants. Après des heures d'une guerre meurtrière, la bataille prend fin. On évacue les cadavres. Qui donne un tel ordre? Ce n'est évidemment pas la reine. Encore l'intelligence collective de la cité des dômes qui se régule elle-même. Les gardes ramassent les morceaux et les jettent dans le dépotoir de la cité. La cité est-elle sauvée durablement ou s'agit-il d'une victoire sans lendemain? Les Atta ont remporté la bataille, mais à quel prix?
Le stock des nymphes est lui-même détruit aux trois quarts. Il en reste tout de même 250 sur le millier initial qui, dans les heures prochaines, vont se transformer en individus capables de travailler. Mais l'essentiel est conservé et l'ère de la reconstruction peut commencer, à moins que le destin ne s'acharne encore. La cité des Dômes est encore là pour longtemps. Ce qu'elle a vécu a été une aventure rarissime, une mauvaise série qui a failli tout détruire. Un pas humain sur le dôme abritant les nymphes, précipitant la venue des Escitons. Conjonction improbable de hasards malencontreux. Mais, une fois de plus, l'intelligence collective de l'Empire a triomphé. De ces nymphes sarcophages sortiront non seulement des soldats et des ouvrières, mais aussi de futures reines qui, à leur tour, iront pondre au cœur de la forêt et fonder de nouveaux empires. La civilisation des Atanes n'est donc pas près de s'éteindre. Elle traversera ainsi de reines en reines des siècles, voire des millions d'années. Lui aussi avait su admirablement nous plonger dans ce monde des fourmis, mais aujourd'hui, Bernard Weber a fait vœu de ne plus jamais nous parler de ce monde-là. Désormais, il se lance sur les traces du chaînon manquant avec son dernier livre, Le Père de nos Pères, un thriller paléontologique qui mêle science, humour et suspense pour courir après trois questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est donc Le Père de nos Pères, un roman de Bernard Weber aux éditions Albin Michel. Et puis voilà un guide qui sera fort utile aux futurs internautes. Surfer intelligemment sur le web, telle est la proposition de base de ce CD-ROM. Une formation simple et efficace à l'internet. Et nous aurons pour guide un professionnel de la vulgarisation scientifique, Joël de Ronay. C'est Visa pour l'internet avec Joël de Ronay, édité par la Cité des Sciences, Montparnasse Multimédia et Mediatool. Voilà, ce Côté Science est terminé. Nous aurons le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro de Côté Science.